Bon, maintenant, allons voir une partie qui est jouée entre Sam et Mimo Matheux. Puis c'était lors d'un thème qui s'intitulait des personnages aléatoires. On joue les arènes. Puis les personnages vont les jouer de manière aléatoire. En forme comme que vous voyez ici sur l'écran, en forme sans aléas, là. Sans plateforme. Alors ça a pris un bout de temps avant que Mathieu qui jouait tout le ligne. Ok, allait chuter à 220% lors de sa première vie. 220%. Oh! Je m'en vais sur la porte de sang, il a juste raté son coup. C'est sûr que quand on n'est pas venu jouer le personnage, mais c'est pas évident de venir le travailler. Mais en général, Sam est capable de jouer n'importe quel personnage. Avec une fille qui avait pas mal de misère. C'est pour protéger que j'ai décidé de ça, juste pour contrer l'attaque que Sam vient de faire ici. Oh! 176, regardez ça! Aïe aïe! Ah là, il aurait dû se mâcher à ce moment-là. Ou saisir. En se retournant. Faire de Mathieu. Oh! Regardez ça, 209. Toujours vivant. Et c'est pour lui. Oh! Bien fait là-dessus. 242. Aïe, aïe. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un survivre aussi longtemps sans perdre une vie. 242. Smash. Probablement 260. C'est vraiment un record pour Mathieu d'avoir résisté aussi longtemps avec les dégâts qu'on lui a infligés. Au moins 242. Probablement 260 à peu près. Je sais pas combien exactement. Là. Pas le temps de voir. Et il dit que c'est même pas encore fini. Ok, il spam un peu pas mal, c'est très spécial, c'est sûr. Là. J'ai
C'est ça pour maman pas parce que justement, Mathieu a survécu jusqu'au-delà de 242% avant de mourir la première fois. Il réussit à battre Sam en conservant ses deux autres vies avec 152% de dégâts. Ça en a fait quand même beaucoup. Ça, il a subi au moins au-dessus de 410% de dégâts. Et ouais, 410, là, c'est beaucoup. Là.